tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors quelque chose de tout nouveau sur ma chaîne, on va gratouiller, voilà, c'est pour ça que j'ai marqué dans le titre, hein. Les gratouilles. J'en fais déjà depuis un petit moment, mais bon, j'en fais pas souvent, j'en fais de temps en temps. C'est la carte à gratter, voilà. Donc c'est aussi quelque chose qui peut s'apparenter au coloriage zen, au diamond painting également. Voilà, c'est des choses aussi qui peuvent délasser. Là en ce moment, bah, je fais surtout des mandalas, voilà. Et donc là aujourd'hui vous allez voir, j'ai commencé un nouveau mandala, donc je vous montrerai. Désolée, je vois que sur mon téléphone la lumière s'abaisse, monte, s'abaisse. Désolée, c'est un réglage de mon téléphone. Donc là, vous verrez que je fais donc avec un. C'est un. Je vais vous montrer, je ne l'ai pas pris dans les mains. Donc voilà le livre. Donc dedans, il y a 6 cartes. Hein, voilà. Et on a un stylet en bois pour pouvoir gratter. Donc je vais vous montrer. Voilà. Donc le petit stylet en bois, c'est ceci. Voilà. Donc vous verrez dans la vidéo que j'utilise ça, mais j'utilise aussi des cure-dents. Voilà. Pour aller dans les toutes petites parties. C'est beaucoup plus simple. Parce que là, bon, à force de m'en servir, le bout commence à s'arrondir également. Et d'ailleurs, je vais commander cette semaine une trousse exprès avec du matériel pour les cartes à gratter, donc avec des plumes spéciales pour le faire. Dès que je recevrai, je vous montrerai, et au moins là ce sera beaucoup plus facile. Il y aura des choses de différentes tailles, tout, et puis au moins je n'aurai pas le problème du bois qui s'use et qui s'aplatit. Voilà, Fifi, à force de gratter sur mes pages. Voilà. Mais quand vous recevez, quand vous achetez ce livre, donc n'importe lequel, hein, vous avez un petit stylet donc en bois comme ceci, avec. Donc là voilà, donc ça se. Tu fais quoi comme bêtise? Ah non, pardon, elle mange ses croquettes. Alors, je vais vous montrer. Hop. Alors, je vous montre pas celui que j'ai fait dans la vidéo. Vous le découvrirez. Donc, le carnet se montre comme ceci. Et voilà. Donc, vous avez toujours une feuille blanche entre chaque carte, parce que bon, ce qu'il faut savoir, c'est que les cartes à gratter, c'est très très fragile. Si vous passez votre ongle dessus ou quelque chose, ben, le noir va partir, et du coup vous aurez une trace sur votre dessin que vous ne pourrez pas réparer. Sauf que là maintenant, avec la trousse que je vais recevoir, j'aurai de quoi réparer. Donc ça, je vous montrerai également. Voilà, donc ça c'est les modèles qu'il y a, vous voyez. Donc ça c'est les modèles mandala. Hein. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez retrouver ce cahier. Alors j'ai dit 6, mais je crois qu'il y en a un peu plus. Non, il y en a, c'est ça, c'est 6. Voilà. Donc là il y en a un que vous ne voyez pas parce qu'il n'est pas dedans. Il est en haut. Et celui que je suis en que j'ai commencé dans la vidéo. Donc là, vous allez le voir dans la vidéo. Voilà. Autre outil que j'utilise, donc à part les cure-dents et le petit stylet en bois que voici, que je vous remontre, j'utilise aussi, voilà, un pinceau. C'est un pinceau à maquillage. Hein. Voilà, tout souple.
C'est parce qu'à force de gratter, bien sûr, ça fait de la poussière. Et donc, quand je commence à avoir un petit peu trop de poussière sur ma carte à gratter, eh ben, je donne un petit coup de pinceau pour faire partir cette poussière. Et voilà. Et donc ça, comme c'est tout doux, c'est un pinceau que ben, je ne me suis jamais servi, donc il est tout propre. Il ne me sert qu'à ça. Donc, voilà. Ça, c'est une chose qu'il faut avoir aussi. Et il faut, vous verrez également que je me sers d'un sopalin que je pose sur le dessin, ben justement pour ne pas abîmer la carte avec mes mains, mes bagues ou mes ongles en travaillant donc sur la carte. Voilà. Donc, c'est pareil, quand je recevrai la trousse, vous verrez, j'aurai quelque chose en plus qui va me permettre de protéger la carte en travaillant. Ça va être une sorte de gant que l'on met à sa main, bien sûr. Mais bon, là, je vous en montrerai plus dès que je le recevrai. Voilà. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, vous allez voir le début d'un mandala. Bon, bien sûr, c'est très long à faire. Hein. Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous le cacher. C'est quand même un loisir qui demande de l'attention et qui est quand même un petit peu long à faire pour faire une carte. Hein. C'est un loisir aussi qui peut être fait par les enfants. Il y a des modèles pour les enfants, il y a des modèles pour les adultes, il y a des modèles pour les enfants. Souvent, les enfants aiment bien faire ça. Pour gratouiller mais vous avez donc les carnets pour adultes, il y a toutes sortes. Là c'est pareil, je vais vous recommander un autre carnet, je vous montrerai quand j'aurai reçu. Voilà, allez, maintenant je vous laisse visionner et puis ben, si vous avez des questions, des commentaires, vous n'hésitez pas, hop, sous la vidéo comme d'habitude. Et n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus pour faire connaître la chaîne sur le moteur de recherche de YouTube. C'est toujours agréable. Et maintenant, je vous laisse visionner et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, nouvelles aventures et plein de belles choses. À bientôt. Bisous, bisous.